Aujourd'hui, nous allons jouer un jeu de cartes qui s'appelle Dead Eye Dina. Et dans ce jeu, nous allons interpréter, puisque nous jouons des rôles comme au théâtre sur cette chaîne, nous allons interpréter une chasseuse de primes qui doit retrouver, capturer 8 hors-la-loi, morts ou vifs, et les ramener. Pour ce faire, nous avons à notre disposition 9 cartes. Donc ça va être assez facile à imprimer. 9 cartes, vous avez 8 cartes en fait qui représentent les hors-la-loi, mais qui sont recto verso, et donc nous allons utiliser bien évidemment le verso des cartes. Voilà nos 8 hors-la-loi. Donc ils sont d'une force plus ou moins importante. Le premier a une n'est pas très fort. Il a notamment ici des points de vie représentés par le chapeau. Il a un point de vie. Et les étoiles qui sont sur le côté, ce sont les points de réputation qu'on va obtenir pour augmenter notre légende au fur et à mesure de la capture de ces hors-la-loi. Voilà, donc vous voyez que on a un peu de travail parce que pour gagner une partie entière, il faut capturer les 8. Alors, comment se présente ce jeu? Donc, je vous ai dit, de ce côté-là, on a les hors-la-loi, wanted, donc voilà, ils sont recherchés, vous avez leur nom, vous avez ici un objet dont on aura besoin pour l'installation de la partie. Ici, la mention kit 4, c'est le nombre de cartes que vous aurez à votre disposition pour pouvoir. C'est votre sac, si vous voulez, dans lequel vous aurez des armes, des objets qui vont vous permettre de capturer ces hors-la-loi. Ici, c'est donc la balle qu'il faudra pour le tuer, il faudra une balle 1. Et puis ici, c'est les balles qu'il tire. Lui, il tire des balles 3, 4, 6. Et donc, il va pouvoir vous, atteindre vos chapeaux, puisque ce sont les chapeaux qui représentent les points de vie. Mais ça, on le verra quand on sera arrivé au duel avec le hors-la-loi. Avant, on a des événements à traverser. Alors, les événements à traverser, ils sont identifiés au verso. Vous avez ici notamment, il y a deux types d'événements que l'on va traverser, les fusillades et les périls. Donc ça c'est une fusillade. Donc vous voyez que vous avez 5 hors-la-loi qu'il va falloir tuer pour remporter cette carte. Mais je vous expliquerai comment se passe une fusillade ensuite. Donc on a des fusillades et on a aussi des périls. Les périls, ça c'est des fusillades, tout ça c'est des fusillades. Voilà par exemple un péril. Un péril, ce sont des Texans en colère que l'on rencontre sur notre chemin. Et donc il va de la même façon. Et là, il va falloir faire face à ce danger pour pouvoir continuer notre chemin et aller jusque à notre hors-la-loi. Donc voilà les différentes cartes. Ensuite, nos cartes de kit dont je vous parlais tout à l'heure, notre sac. Notre sac, il va être composé en fait de cartes mise en éventail de cette façon, et sur laquelle vous allez pouvoir voir votre arme et les balles que votre arme tire. Donc ici, votre arme va tirer des balles 1, 2 et 3, ici 2, 3 et 4, ici 5, 6 et 7. Une arme peut tuer donc 3 hors-la-loi, 1, 5, 1, 6, 1, 7. C'est la portée en fait de votre arme. Donc il faut que le hors-la-loi soit à la portée de 5 pour qu'une balle 5 le touche. Donc je vous ferai voir dans la fusillade comment ça se passe. Ensuite, vous avez des objets, un certain nombre d'objets. Chaque objet a une capacité spéciale. Voilà, certains vont vous permettre de récupérer des cartes perdues, enfin, vous empêcher de perdre des cartes plutôt. Certains vont vous permettre d'ignorer des hors-la-loi. Enfin voilà, il y a un certain nombre de possibilités avec les objets, très important. Et donc les chapeaux, c'est votre portée. Si un hors-la-loi tire une balle à 6, eh bien, il va vous toucher et cette carte-là, vous allez la perdre jusqu'à ce que vous ayez tué le hors-la-loi et que vous passiez au tour suivant. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Eh bien, rien de plus. Si ce n'est que sur cette face-là, vous voyez que le carré n'est pas exactement pareil, il n'y a pas d'objet. Donc quand vous surmontez un danger, par exemple si je surmonte celui-ci, je vais remporter la carte, mais de ce côté-là, sans objet. Donc il y a des mouvements possibles de retournement d'une carte d'un côté ou de l'autre. Il y a, voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à penser. Il faut surtout penser effectivement aux chapeaux respectifs, les objets. Vous verrez, je vous montrerai comment ça se passe. C'est assez, finalement, plus profond qu'il n'y paraît, ce petit jeu de 9 cartes, puisqu'il y a quand même plein de possibilités, des stratégies différentes, beaucoup de choix. Il faut réfléchir. C'est un jeu où il faut réfléchir. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Ah non, je ne vous ai pas parlé de la légende. Il y a encore deux choses dont je ne vous ai pas parlé. La première, c'est que nous avons donc notre carte de légende sur laquelle nous avons ici, le long, notre réputation. Donc, on commence avec 0 étoiles. Je vous ai dit que les étoiles, on va les récupérer
en capturant des hors-la-loi. Au départ, on commence avec 0 étoile. Et que nous dit cette réputation? Elle nous dit que nous, s'il nous reste plus qu'une seule carte dans notre sac, dans notre kit, eh bien, on va pouvoir modifier son chapeau de plus ou moins un. Mais vous verrez l'importance de modifier les niveaux des chapeaux. Ça peut arriver. Sur cette carte, vous avez aussi un rappel de tout ce que les objets font, mais c'est en anglais, mais vous avez la traduction dans les règles comme d'habitude. Et le niveau suivant, il faut 4 étoiles. Il faut 4 étoiles pour atteindre le niveau suivant. Et le niveau suivant dit que pour chaque fusillade, vous pouvez ajouter un nombre quelconque aux balles d'une carte de votre sac, de votre kit. Voilà. Donc c'est un avantage certain. Mais on n'y est pas, puisqu'au départ, on part avec 0. Donc on partira sur le côté nuisance, ici. Autre chose, les hors-la-loi, ils ont un effet qui est mentionné sur le côté gauche. Alors, les effets sont en général négatifs, sauf pour le premier. Le premier qui est Pinch Flaherty, que l'on va affronter. Alors lui, il a un super effet, c'est qu'il nous permet d'ignorer un hors-la-loi à chaque fusillade. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage pour commencer, mais je pense qu'ils ont pensé le premier tour pour s'habituer à la manipulation des cartes, des chiffres et des objets, de façon à ne pas être trop stressé, parce qu'après, tout de suite après, on attaque sur des choses beaucoup plus compliquées. On va perdre des cartes de notre kit, on va perdre des objets, on va, enfin voilà, beaucoup d'effets négatifs pour les autres hors-la-loi. Mais on va commencer avec Pinch Flaherty et je pense qu'on va pouvoir commencer la partie. Je vais vous expliquer bien évidemment au fur et à mesure. Alors la première chose qui va être à faire, c'est qu'on va installer notre main, puisque c'est un jeu un peu comme Palm Island qui se joue dans une main. Et donc, on va mettre de côté Pinch Flaherty. Il nous dit qu'il faut un fusil. Donc, on va aller chercher dans les cartes le fusil, dans les objets. Il est là. Voilà, on va mettre cette carte-là de côté pour l'instant. On va mélanger les 6 cartes qui restent, qui vont nous servir, vous allez voir, d'événements et à la fois de cartes de kit, notre kit d'armes et d'objets pour affronter. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends cette carte-là avec le fusil, je la mets dessus. Je vais compter, je vais regarder combien il y a de cartes dans mon kit. Il y en a 4, donc je vais prendre 1, 2, 3, 4. Je vais les tourner comme ceci. Entre les deux, je vais mettre mon Pinch Flaherty que je vais retourner comme ceci. Je vais le mettre là. Et une fois que j'ai fait ça, je retourne. Alors, les 3 premières cartes ici, puisque j'en ai 4. Voilà, les 3 premières, ce sont les événements. Ici, j'ai mon fameux Pinch Flaherty qui va être ici avec... On va mettre en évidence cet effet qui nous est plutôt favorable, pour ne pas l'oublier. Et puis, on a nos 4 cartes de kit. C'est notre sac. Et dedans, on a un fusil, du feu, un couteau, une flasque. On a des balles. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7 et 4, 5, 6. Je vais mettre celle-ci ici. Peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le classement, vous les mettez comme vous voulez. Voilà, j'espère que vous voyez. Et on va mettre ici notre carte de légende avec aussi le rappel de notre capacité spéciale. Quand si par hasard il ne nous reste plus qu'une carte, eh bien nous pourrons utiliser cet effet spécial pour modifier son chapeau. Voilà. Que vous dire de plus? Donc dans chaque tour, en fait, on va jouer des cartes. On va éventuellement surmonter des fusillades ou des périls et récupérer et ajouter des cartes. On va aussi potentiellement en perdre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne peut pas surmonter le danger provoqué par la fusillade ou le péril, eh bien nous allons perdre la carte, cette carte-là, on va la perdre définitivement et il faudra perdre une carte de notre kit, à condition d'en avoir moins de 4. Si on a 4 cartes dans notre kit et qu'on ne surmonte pas un péril quelconque, une fusillade, et eh bien dans ce cas-là, nous perdrons, il faudra qu'on ne conserve que 2 cartes. Donc la fuite, c'est sympa, mais moyen quand même, parce que du coup, quand on n'a plus de cartes pour affronter le hors-la-loi au moment du duel final, et eh bien c'est tout à refaire, quoi. Donc il faut tenter par tous les moyens quand même de remporter de surmonter ces périls et ces dangers, parce que sinon la fuite coûte très cher dans ce jeu.
Voilà, et puis aussi on aura la possibilité de sauver une carte si à un moment donné on est obligé de supprimer, là, mettons que je suis obligée de supprimer trois cartes et qu'il ne me reste qu'une. Dans ce cas-là, j'ai aussi la possibilité d'en sauver une des trois que je mettrai derrière la carte légende et qui me servira de carte chance. Donc elle pourra me servir, je pourrais utiliser les balles de cette carte, enfin on la tournera du côté où il n'y a pas l'objet, mais je pourrais encore utiliser les balles. Mais c'est tout ce que ça me permettra de faire. C'est des cartes, c'est une carte supplémentaire, mais qui n'a pas exactement la même valeur, la même capacité qu'une carte du kit de départ. Donc le plus simple, c'est de commencer à jouer. Ce que je ne vous ai pas expliqué non plus, c'est que dans les fusillades, ici, vous avez une option cover qui fait moins 1, 0 ou plus 1. Cette option vous permet de diminuer de 1 toutes les balles et tous les chapeaux, ou bien d'augmenter de 1 toutes les balles et tous les chapeaux. Donc c'est aussi une possibilité que vous avez. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que quand vous utilisez un objet, vous ne pouvez pas utiliser les balles et inversement. Voilà, et donc vous voyez, on a beaucoup de possibilités. Il faut jongler entre toutes ces possibilités. Et savoir aussi que là, quand je vais jouer sur ma fusillade, si je joue par exemple ces deux cartes de... Ces deux cartes-là, par exemple, pour tuer, c'est hors-la-loi, eh bien, je joue des cartes qui ont un 2 et un 4 au niveau de mon chapeau à moi. Et donc, les hors-la-loi à la même portée vont me toucher. Donc là, j'ai un 2, un 4. Et vont me prendre mes deux cartes que je vais perdre définitivement. Donc, il faut aussi se protéger. Il faut attaquer. Il faut se protéger. Il faut utiliser tous les moyens qu'on a à notre disposition. Et pour perdre le moins de cartes possible pour pouvoir à terme arriver à Pinch Flaherty. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Pinch Flaherty, je ne peux le toucher qu'avec une balle 1. Donc il faut que j'essaye de préserver cette carte-là parce que j'aurai besoin d'un 1 pour le tuer, d'une balle 1. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on arrive au duel, on ne peut pas utiliser les objets et on ne peut pas utiliser non plus le cover. Donc il faut le prévoir aussi à l'avance. Quand on commence la partie. Oui, beaucoup de choses à penser, en fait, 9 cartes, mais énormément de choses à penser dans ce petit jeu de Dead Eye Dina. Alors maintenant, j'ai fait mes petits compléments de règles, il y en aura d'autres, hein, certainement. On a donc une fusillade. Alors on a un hors-la-loi à 0, 1 à 2, 1 à 4, 1 à 3, 1 à 8. Alors je sais que je peux utiliser... cet effet-là qui ignore un hors-la-loi. Celui-ci, en plus, il est particulier, il a deux cœurs. Ça veut dire qu'il faut que je le touche deux fois avec un 4. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas... Je n'ai pas grand-chose. Alors, je n'ai pas de 0, déjà. Le 2, le 3, je peux les avoir avec cette carte-là, mais je vais la perdre. Donc, je pourrais éventuellement utiliser ces deux cartes-là que je ne perdrai pas. Voilà. Alors, ces deux cartes-là, je ne les perdrai pas puisque je n'ai pas de hors-la-loi à 5 ou à 6. Qu'est-ce que je pourrais faire avec 4, 6, 5, 7? Ben, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas faire grand-chose. Je pourrais éventuellement utiliser mon cover pour baisser de 1. Mais non, parce que je vais baisser mon chapeau de 4 et donc là, il va me le prendre. Donc, augmenter de 1 éventuellement, donc faire 5, 7, 6, 8. Donc 5, 7, 6, 8, c'est bien, mais je peux avoir que l'8, donc ça ne m'intéresse pas. Là, je peux avoir que le 4, ça ne m'intéresse pas non plus. Bon, donc ça ne marche pas. Alors, si je baisse, si je prends celle-ci, si je prends ces deux-là et que je baisse les chapeaux de 1, alors, j'ai le cover, hein, toujours, et je peux toujours ignorer. Je pourrais ignorer l'8 qui me gêne vraiment avec cet effet-là. Je peux cumuler, hein. Donc là, je pourrais éventuellement faire baisser de 1. Donc je vais baisser mon chapeau de 1. Il sera 1, il sera 3. Je vais perdre cette carte. C'est pas forcément grave. Là, je vais faire 0 à 2 en baissant de 1. Donc je vais pouvoir tuer ces deux-là. Là, je vais baisser de 1. Ça va faire 2 à 4. Je vais pouvoir avoir ces deux-là. Oui, je vais faire ça, je pense. Alors, je récapitule. J'utilise mon cover, cette option-là. Je vais diminuer de 1. Tout ce qui est sur les deux cartes jouées. Sur les cartes jouées, hein, ça fonctionne seulement. Donc je vais avoir un chapeau à 1 ici. Donc là, je suis protégée. Par contre, celui-ci, je vais avoir un chapeau à 3.
Donc je vais perdre cette carte. Mais je vais récupérer celle-ci. Donc voilà. Je baisse donc celle-ci de 1. Donc ça va faire 0 à 2. 0 à 2, je peux tuer ces deux-là. Là, je vais baisser de 1. Ça va faire 2 à 4. Je vais pouvoir faire 2, 3, 4. Donc je vais pouvoir avoir ces deux-là. Ah oui, mais il faut que je le touche deux fois, lui. Ah. Ben, c'est pas grave. Je peux jouer cette carte-là aussi pour toucher une deuxième fois le 4. Oui, c'est ça. J'avais oublié. Il fallait que je le touche deux fois. Il a deux cœurs. Donc là, je vais baisser de 1 aussi. Ah, je vais encore perdre deux cartes. Ah! Ah, zut! Ça ne marche pas pour la raison suivante. C'est que je vais baisser tout. Donc là, je baisse celle-ci à 3, celle-ci à 4. Donc je vais perdre ces deux. Je vais perdre ces 3 et 4, puisque j'ai ces deux hors-la-loi qui vont me toucher. Mais par contre, je les tue tous et j'ignore le 8, c'est bon. Donc je vais perdre deux cartes. Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Ah, c'est ça la question. Voilà. Oui, ça peut durer un moment, hein, parce que est-ce que je ne peux pas faire mieux? Donc je vais essayer de me souvenir que je peux faire ça. Avec ça, j'arrive bien à tuer. Et le cover, j'arrive bien à tuer tout mon petit monde. Mais je vais perdre celle-ci, puisque mon chapeau sera descendu à 3, celui-ci à 4. Bon. Alors, ensuite, je peux utiliser des objets. Alors, le fusil, il me fait quoi? Le fusil, il me permet d'élargir la portée d'une carte jouée de mon choix de 3. Ça veut dire que je peux élargir, je pourrais élargir par exemple, ah oui, je pourrais élargir la portée de cette arme-là par exemple de 3, donc le monter à 9, faire 4 à 9, et donc du coup avoir celui-ci. Ceci dit, je vais jouer la 2, je vais jouer la 4, donc je vais perdre encore deux cartes. Donc ça ne m'arrange pas forcément. Le feu, qu'est-ce qu'il fait le feu? Je peux tourner cette carte de l'autre côté au lieu de perdre une carte. Ah oui, ça peut être intéressant. Mais non. La flasque, je peux tourner cette carte pour modifier le chapeau d'une carte jouée de mon choix de plus ou moins 2. Et le couteau, j'ignore un hors-la-loi qui a deux cœurs ou plus. Ouais, je vais peut-être faire ça. Alors attendez. Si je joue le couteau, j'ignore un hors-la-loi avec deux cœurs ou plus. Donc je pourrais ignorer le 4. Avec mon effet ici, je peux ignorer le 8. Donc il me reste le 0, le 2, le 3. Le 0, le 2, le 3. Du coup, 0, 0, 2, 3, il faut que j'utilise le cover quand même. Il faut que je diminue. Le 0, le 2, le 3, ça va me faire 0, 1, 2. Donc là, j'ai pas de 3. Ouais, je vais encore perdre une carte. Je vais perdre une carte, mais c'est peut-être mieux. Alors, je recommence. J'ai dit, je vais utiliser le couteau pour ignorer celui-ci. Je vais utiliser cet effet pour ignorer celui-ci. Il me reste 0, 2 et 3. 0, 2 et 3, il faut que je baisse, mais il faut que je baisse tout de 1. Donc là, je vais baisser 0, 1, 2. Donc là, je vais pouvoir avoir ces deux-là. Celui-ci, je suis obligée de le jouer pour le 3 pour avoir celui-ci. Je vais donc baisser mon chapeau de 1. Donc 1, il sera. Je garderai ma carte. Celui-ci, il va baisser de 1. Ça va être un 3. Je vais perdre cette carte. Celui-ci, il va baisser de 1. Ça sera un 5. Et la carte est sauvée. Et ainsi, je remporte la fusillade et je perds cette carte-là. Voilà, là c'était un tour assez complexe. Vous avez vu toutes les manipulations que l'on peut faire, et donc je vais faire ceci. Je vais donc perdre cette carte, mais je vais remporter la fusillade. Donc je vais récupérer cette carte-là, que je vais mettre là. Donc là, je n'ai plus d'objet, hein, évidemment. Et cette carte-là, elle est perdue. Donc quand on la perd, on la met comme ceci, derrière le hors-la-loi, et on la met de ce côté-là pour pas se tromper d'effet, en fait. Donc on la met comme ceci derrière, elle est perdue définitivement jusqu'à ce qu'on termine ce hors-la-loi, et puis après évidemment il faudra remettre la main en place. Donc à ce moment-là on verra. Bon, j'ai encore quatre cartes, c'est bon, mais me voilà avec une deuxième fusillade. Ça continue, j'en ai un encore qui a deux cœurs. J'ai 1, 2, 5, 6, 9. Et je peux encore perdre trois cartes, hein, puisque le 2, le 5, le 6, je peux potentiellement les perdre. Donc là, il va falloir encore regarder ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai cette carte-là, elle est un petit peu particulière, c'est celle que je viens de récupérer. Au niveau des balles, j'ai un 4, il y a un point ensuite, et ensuite j'ai 7, 8, 9. Donc là, j'ai 4 balles possibles, donc ça c'est plutôt bien.
Ce qui m'arrange pas tellement parce qu'ici j'ai pas de 4, j'ai que le 9 en fait, mais sauf que j'ai pas d'autres. Donc je vais être un peu obligée de la jouer. Mais celle-ci, c'est pas grave si je la joue parce que mon chapeau c'est un 8. Alors, mon couteau il m'intéresse quand même grandement encore parce qu'avec le même effet que tout à l'heure, si je joue mon couteau, je peux éliminer celui-ci. Et avec cet effet-là, je peux éliminer celui-ci. Ce qui pourrait être. Peut-être pas celui-ci d'ailleurs. Parce que en fait, celui-ci ne me touche pas. Donc il vaudrait peut-être mieux que je l'utilise pour un. Ah, mais je peux pas l'utiliser pour autre chose en fait. Non, je peux l'utiliser que pour le 9, celle-là. Celle-là, je peux l'utiliser que pour le 9. Et donc, elle ne me touche pas. Donc, faut pas que je l'enlève. Faut pas que j'enlève le 9. Parce que voilà. Donc, j'ai dit cet effet-là va enlever le 6. Et il me reste 1, 2, 5. J'ai joué mon couteau. Donc 1, 2, 5. Donc 1, 2, c'est bon. 4, 5, 6, il faut que je joue tout. Ça ne m'arrange pas tellement. Je pourrais élargir la portée. Oui, mais c'est pareil, ça va être exactement pareil. Ah, je pourrais essayer de jouer. Oui, je vais la perdre de la même façon. Si je la joue, si je joue le fusil, je vais le perdre. 2, 5. Il faudrait que je baisse le cover de 1 ou que je l'augmente de 1. Pour ne pas perdre, parce que j'aurai 3 et 6, ben 6, je vais la perdre aussi. Et 1 et 4, je vais en perdre une, mais j'en perdrai qu'une en baissant. Alors en baissant celle-ci, là je vais baisser à 5, je la perds dans tous les cas. Celle-ci à 7, c'est bon. Si je joue celle-ci et que je joue le cover, donc le cover me permet de baisser de 1. Donc je vais avoir celle-ci, elle va être perdue, mais c'est pas grave. Ah mais non, je ne peux pas la perdre celle-ci, parce que c'est celle qu'il me faut pour atteindre le hors-la-loi. Donc je ne peux pas la perdre. Ah mais je vais la perdre. Je vais la perdre. Donc il faudrait que j'augmente le cover. Ah mais non, il ne faut pas que je la joue, en fait. Il faut pas que je la joue. Mais je ne peux pas faire tellement autrement. Il faut que j'élimine. Attendez, bougez pas, il faut que je change de ma façon de faire. Donc je vais faire autrement. Je vais utiliser mon couteau. Mon couteau pour éliminer le 2. Je vais utiliser mon effet pour éliminer le 1. Il me reste 5, 6, 9 et 2, 6. Donc le couteau, c'est fait. Il a fait son objet. Maintenant, je vais jouer ces deux-là. Et il me faut 2, 6. Et il me faut un 9. Donc le 9, je l'ai ici. J'ai un 6, il me manque un 6. Il me manque un 6. Ah là là, c'est compliqué mon histoire. Bon, je vais essayer d'utiliser le cover moins 1. Donc ici, ça va me faire 3 à 5. Ah bah oui, mais non, je perds le 6. Alors, c'est un peu insoluble, mais peut-être vous avez vu une solution, moi je ne la vois pas. Donc j'ai dit, je suis coincée parce que il me manque un 6. Bon, j'en ai un ici. Celui-ci, j'ai joué le couteau, donc je ne peux pas utiliser l'arme. Donc j'ai ici, il faudrait que je baisse de 1, mais si je baisse de 1, je perds le 6 ici, donc ça ne va pas. Je ne veux pas jouer ça parce que c'est ma seule balle qui me permet de tuer le hors-la-loi, de capturer le hors-la-loi, et donc je ne veux pas la jouer parce que si je la joue. Comme ici, il y a une portée de 2, je vais perdre la carte et je ne veux pas la perdre, donc je ne la joue pas. 5, 6, ça va me faire perdre 2 cartes. Non, mais non, ça va me faire perdre 3 cartes en fait. Oh la vache. Ça va me faire perdre 2 cartes si je joue ça, parce qu'il y a le 5 et le 6, donc je vais perdre ces 2-là. Et mon problème étant que je ne vais pas remporter le. Je ne vais pas remporter la fusillade. Donc il faut que je prenne la fuite. Donc la solution, c'est peut-être de prendre la fuite. Et puis perdre deux cartes du kit. Mais de toute façon, c'est le moindre mal. Je ne peux pas. Donc est-ce que je peux faire autrement? Non, parce que je ne veux pas jouer cette carte. Donc après, il faut que j'ignore le 1 et le 2 ici. Parce que même si je baisse de 1,
avec le cover, je vais avoir un 3, j'aurai pas de 1 et de 2. Donc c'est la seule carte qui peut me permettre d'avoir ces deux-là. Je ne veux pas la jouer. Donc j'élimine avec un couteau et avec l'effet du hors-la-loi ces deux-là. Il me reste 5, il me faut 2, 6, 1, 9. J'ai bien le 9, j'ai bien un 6, j'ai bien un 5 ici, 4, 5, 6. Il me manque un 6. Et ce 6, je ne peux pas l'avoir. Même avec la flasque. La flasque ne me donne pas ça. Elle me donne la possibilité de modifier un chapeau sur une de mes cartes. Faire plus 1. Alors, si je fais plus 1, j'ai pas essayé le plus 1. Le plus 1, ça me ferait un 5 à 7. Donc, je pourrais avoir le 5, le 6. Je vais avoir un chapeau à 6 ici. Donc, elle va me prendre ma carte. Elle va me prendre celle-ci aussi. Et là, je vais augmenter de 1. Ça va me faire 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Donc, je vais augmenter de 1, ce qui fait que je vais perdre un 6. Non, mais dans tous les cas, je suis coincée. Je ne peux pas avoir les deux 6. Donc, je perds. Je vais être obligée de prendre la fuite. Alors, prendre la fuite, ça signifie perdre cette carte-là. Donc, je la perds. Je la mets derrière. Et si j'ai plus de 4, si j'ai 4 cartes dans mon kit, il faut que j'en enlève 2. Donc, je vais en enlever 2. Je vais enlever, je ne sais pas. Là, je vais enlever celle-ci, je pense. Et je vais enlever celle-ci. Et là, c'est vraiment la catastrophe parce qu'il me reste 2 cartes et je n'ai plus que j'ai encore une fusillade quoi. Oh, ah ben je vais perdre. Alors, qui a dit que le premier niveau était facile? C'est moi. Eh bien, c'est n'importe quoi. Le premier niveau n'est pas facile, ça dépend des cartes. Et donc voilà. Peut-être vous avez vu hein, que je pouvais faire, mais je ne vois pas. Donc je ne vais pas passer non plus 1 heure à chercher de plus. 1 heure de plus à chercher. Donc je vais perdre, je pense. Je suis bien partie pour. Alors, et là, il me faut un 0, un 2, un 4, un 6, un 7. Là, j'ai 2 cœurs, il me faut 2, 4. Très bien. Donc comme vous pouvez le voir, je vais baisser tout de 1 avec le cover. Oh. Donc je vais baisser tout de 1 avec le cover. Donc ça va me faire un chapeau à 1, il ne me sera pas pris. Un chapeau à 7, il me sera pris. Cette carte sera prise. Mais il me restera celle-ci qui est utile, qui est la seule que je dois avoir pour affronter le hors-la-loi. Donc ça ne serait pas grave. Donc là, j'aurai 0 à 2. Donc 0 à 2, je peux tuer ces deux-là. Ici, je vais baisser de 1. Donc je vais avoir 3. Et je vais avoir 6, 8. Donc le 6, c'est OK. Je vais pouvoir le tuer. Mais il me faut 2, 4 que je n'ai plus. Je n'ai pas de toute façon. Je peux ignorer celui-ci. Donc j'aurai un 0, 2, 6, 7 à tuer. Ça va le faire. Je vais ignorer grâce à mon effet. Ici, je vais ignorer le 4. J'ai un 0, 2, 6, 7. Je vais baisser avec mon cover de 1. Donc je vais baisser ici de 1, 1. Le 1 ne me sera pas pris. Là, le 7, elle va m'être prise, mais ce n'est pas grave. Je vais avoir 0, 2, ce qui va me permettre de tuer ces deux-là. Et là, je vais avoir un 3 et un 6, 8 qui va me permettre de tuer. Un 6, 7, 8, pardon. 6, 7, 8 qui va me permettre de tuer le 6 et le 7. Voilà. Par contre, cette carte devient un 7. Donc, j'ai un chapeau. Je perds cette carte, mais je remporte la fusillade. Donc, je perds cette carte. Je remporte la fusillade. Je garde cette carte ici. Et j'arrive au duel. Donc le duel, c'est pas compliqué. Il me faut un 1 pour le tuer. Je le touche qu'une seule fois. Lui, il va me toucher avec un 3, un 4 ou un 6. Mais j'ai 2 et 7. Ce qui fait que je termine avec des cartes dans mon kit. Et c'est la condition pour gagner, pour remporter ce duel. Il faut qu'il me reste des cartes dans mon kit. Et donc, je viens de tuer Pinch Flaherty parce que c'était mort ou vif, mais bon, ça sera mort. Et puis, je pense que j'ai remporté cette première manche. Si je ne me suis pas trompée, j'espère que non, je revérifierai, mais je pense que c'est OK. Et puis, voilà, vous avez vu comment se passe une première manche de Dead Eye Dina. Pas facile du tout, finalement, même le premier niveau qui donne quand même un avantage. Et je vous dis, les niveaux suivants, il n'y a pas d'avantage. Donc là, ça devient un peu compliqué. Voilà, eh bien, écoutez. À vous de jouer, à vos armes, bon, moyen hein, comme message, mais bon, essayez d'attraper, c'est hors la loi, pas facile ce petit jeu, 9 cartes. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu, comme d'habitude, allez à bientôt, bye bye!
Thank you.